Oh, yeah.
Bonsoir à tous et bienvenue à notre émission La Bible, parlons-en. La première émission de cette année 2014. Et permettez-moi, chers auditeurs, de vous présenter mes vœux les meilleurs et que Dieu vous bénisse. Alors, pour ce soir, je poursuis l'enseignement sur la Christologie. Une étude donc consacrée à Jésus-Christ, hein, sa vie, sa doctrine, son œuvre. Et tout le long de cette année 2014, je reste sur la Christologie, hein, comme je vous avais dit, qui est le socle même de notre émission. Et aujourd'hui, le sous-thème que je vais développer, je vais parler de la rédemption. Et à la fin de l'émission, comme d'habitude, je laisserai le temps à nos auditeurs de poser des questions, s'il y en a. Alors, la rédemption, qu'est-ce que c'est la rédemption? Alors, pourquoi est-ce que la rédemption est un message capital pour nous, enfants de Dieu? Pourquoi est-ce que la rédemption est un message capital de la Bible? Alors, déjà, je commence par définir ce mot rédemption, du grec loutrosis, qui veut tout simplement dire rachat, libération. Et la racine verbale de ce mot est louo. Louo, c'est un verbe grec qui veut dire délier, détacher, relâcher, libérer, dissoudre, détruire, abolir, violer un commandement. Alors, la question qui se pose, c'est à savoir, mais rachat de quoi? Rédemption, qui veut dire rachat, mais rachat de quoi? Rédemption, qui veut dire libération, mais libération de quoi? Qui veut dire relâchement, abolition, mais abolition de quoi? Alors, le rachat, si vous regardez dans vos dictionnaires, le rachat, c'est juste l'action de racheter quelque chose. Et racheter veut tout simplement dire acheter de nouveau. On achète de nouveau quelque chose qu'on avait déjà au préalable et qu'on avait perdu par la suite. On ne va pas racheter quelque chose qu'on n'avait pas. Dans ce cas-là, il s'agirait d'un achat, tout simplement, et non d'un rachat. J'aimerais faire la différence là-dessus, d'un achat et d'un rachat. Et la rédemption, c'est un rachat. Quelque chose qui nous appartenait déjà, qu'on a perdu, et qu'on le retrouve par la suite. Quelque chose qui appartenait déjà au propriétaire, qui avait été perdu. Donc, qui avait été perdu, pour qui est rachat, pour qui est rachat, pour qui est rachat. Et pour qu'il y ait rachat, il faut qu'il y ait une clause de rachat. Il faut qu'il y ait une disposition particulière d'un acte juridique, c'est-à-dire d'un contrat entre le vendeur et l'acquéreur. D'un acte qui est un contrat, un acte juridique, parce que la Bible parle, dans Colossiens 2, 14, d'un acte. Il est question ici de Jésus.
qui a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Et cet acte, qui n'est autre qu'un contrat, et vous le savez aussi bien que moi, pour qu'il y ait contrat, il faut qu'il y ait d'abord consentement. Il faut qu'il y ait d'abord consentement mutuel. Entre les deux parties. Sinon la vente est nulle. Alors, dans ce message de la rédemption, il est question ici du rachat de l'humanité. L'humanité qui a été vendue à la malédiction, à la maladie, à la pauvreté, à la souffrance. Et pour cela, je vais faire un pas en arrière et je vais reprendre en fait en bref ce que j'avais déjà dit. Quand j'ai parlé de la christologie, du Christ, je pense dans sa dimension anthropologique. Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné quelque chose de très précieux, hein, c'est-à-dire la vie humaine parfaite, c'est-à-dire un corps et un esprit parfait. Qui jamais ne tombera malade, jamais ne vieillira, jamais ne mourra. Un chef-d'œuvre de la création de Dieu, conçu à l'image de son Créateur. C'est ça qui lui a conféré une valeur inestimable. Un bien propre à Dieu seul. Une propriété de Dieu. L'homme était donc une propriété de Dieu qui, par sa désobéissance, va changer de propriétaire. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que pour qu'il y ait vente, il faut qu'il y ait consentement entre les deux parties. C'est-à-dire que la personne qui détient les biens est la personne qui va acheter, le vendeur et l'acquéreur. Mais la question qui se pose, y a-t-il eu consentement entre les deux propriétaires ? La réponse est non. Quand vous lisez vos Bibles dans Genèse, la réponse est non, chers auditeurs. Satan s'est-il présenté devant Dieu pour conclure un contrat de vente, pour acquérir cette propriété de Dieu qui était l'homme? Eh ben non. Satan a-t-il demandé à Dieu de lui vendre son chef-d'œuvre? Eh ben non. Tout simplement parce que ce bien n'était pas à vendre. Donc, nous pouvons déjà constater un vice, chers auditeurs. Il y a déjà nullité du contrat. Mais qu'est-ce qui a fait que Satan puisse prendre le dessus sur l'homme? Eh ben, c'est sa propre désobéissance à la parole divine. Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans Genèse 2:17. Mais qu'est-ce que Adam a fait? Il a désobéi délibérément à cette parole. Et par là, nous constatons que le chef-d'œuvre original, créé avec tellement d'amour et d'art, a été abîmé, a été défiguré, a été contaminé. A été condamné à vivre sous la malédiction, sous la pauvreté, sous la maladie. L'homme a été rendu donc coupable. Et un coupable, qu'est-ce que c'est un coupable? Le dictionnaire Larousse définit un coupable comme étant une personne qui a commis une faute, un délit ou un crime. Qui a commis un acte condamnable, répréhensible ou alors blâmable. Donc, Adam, en désobéissant délibérément à l'ordre divin, il s'est rendu coupable
et l'humanité entière s'est rendue coupable. L'humanité a commis une infraction et on a été jugé responsable. Nous étions donc accusés et l'accusé a été reconnu coupable. Nous étions donc reconnus coupables en désobéissant délibérément à cet ordre. On a été responsable d'une faute. On a été responsable d'un mal. La nature entière a été souillée et empoisonnée par le canal de cet arbre de connaissance du bien et du mal. La femme devait enfanter avec douleur, l'homme devait manger à la sueur de son front. Cette désobéissance a volé même l'immortalité de l'homme. Tout était devenu dur. Mais la bonne nouvelle, chers auditeurs de la rédemption, est que Dieu, par son amour et sa miséricorde infinie, va mettre en place un plan de salut. Et là commence le mystère de la rédemption. Pour que le monde entier puisse être régénéré, il était donc nécessaire que cette substance divine puisse être humanisée et puisse transmettre la force divine et régénératrice à l'humain, ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le divin dans la chair humaine. Il était donc nécessaire que cette forme divine humaine soit tuée. Il était nécessaire que cette forme divine humaine, dont Jésus-Christ, soit tuée. Et pourquoi? Eh bien, pour que la substance divine et incorruptible contenant dans son sang, le sang de Jésus-Christ, puisse pénétrer dans les plus intérieurs de la terre et opérer une dissolution progressive de la matière corruptible. Je m'explique. Il a fallu que le sang coule et que ce sang pénètre les profondeurs de la terre. Pourquoi? Eh bien, pour mettre fin légalement à cet acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et pourquoi est-ce que le sang devait pénétrer la terre? Tout simplement parce que l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. Et il a fallu que la terre soit régénérée en avalant son créateur, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est descendu jusqu'aux profondeurs de la terre. Mais la terre n'a pas pu le retenir. Et l'a vomi au bout de 3e jour. Ça, c'est le mystère de la rédemption, cher auditeur. Par le sang du Christ, la terre a été purifiée, la terre a été régénérée, et l'arbre de vie a été replanté, et la jouissance de son fruit renferme en lui le principe immortel. C'est-à-dire qu'en mangeant du fruit de cet arbre de vie, qui n'est autre que Jésus-Christ, le mortel en nous a été anéanti. Et l'homme a été guéri par le fruit de l'arbre de vie. De la même manière qu'il a été empoisonné par la jouissance du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous allez constater que sans l'écoulement de ce sang, le salut aurait été impossible. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que La vie qui a été perdue était une vie parfaite, comme je l'ai dit au début. Et aucune vie humaine imparfaite
ne pouvait racheter ce qui était perdu. Je dis bien aucune vie humaine imparfaite. Il a fallu une rançon équivalente à ce qui était perdu, c'est-à-dire une vie parfaite, comme celle du Christ. Et par sa mort à la croix, Jésus-Christ nous a déclarés non coupables. Et l'acquéreur de nos vies, Jésus-Christ, demeure le propriétaire irrévocable par l'écoulement de son sang à la croix. Sa vie parfaite était donc la rançon correspondante qui était exigée pour pouvoir racheter l'humanité, pour pouvoir racheter la vie parfaite perdue par Adam. Dieu, dans son amour, est venu au secours de l'humanité au moyen de la rançon. Et il a payé quelque chose qui corresponde exactement à la valeur de ce qui est endommagé. Jésus-Christ nous a libérés par le paiement d'une rançon. Il nous a délivrés, il nous a rachetés de l'esclavage. La rédemption, qui veut dire rachat, mais rachat de quoi? Eh bien, rachat de l'esclavage. Nous étions donc esclaves. Il nous a libérés. De quoi? De la prison. En payant notre dette. Si nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans cette prison, ce que nous faisons, c'est juste que nous rendons nul cet acte incommensurable fait par Christ à la croix. Et nous faisons de lui menteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas été mort. Aucune religion ne vous parlera de la rédemption si ce n'est le christianisme. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le seul rédempteur qui a arraché l'humanité entière de l'esclavage. Par sa mort à la croix, il a effacé cet acte, ce contrat dont les ordonnances, dont les clauses nous condamnaient. Parce que nous étions tous esclaves du péché, esclaves de la mort, esclaves de la loi, esclaves de Satan. Mais Jésus-Christ nous a rachetés et libérés sur toute la ligne. La Bible dit dans Romains 3, 24, qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous avons la rédemption par son sang. Et non pas par de l'argent, comme c'était dans l'ancienne alliance, mais par le sang qui a coulé. Nous avons été rachetés de notre ancienne vie de péché. Nous avons été réconciliés avec le Père. Depuis que l'homme s'est éloigné de son Créateur en transgressant donc la loi, la Bible parle du déplaisir et de la colère de Dieu. Dieu a laissé les nations suivre leur propre voie, leur propre chemin,
à cause de leur désobéissance. Mais le Christ, par la croix, il a ôté le péché, il a détruit l'inimitié, il a établi la paix, réconcilié les hommes avec Dieu. Il a pris la main du rebelle pour la placer dans celle de Dieu, le Dieu d'amour. Maintenant, il faut que le rebelle reconnaisse sa culpabilité et accepte d'être réconcilié avec Dieu. Parce que ceux qui prétendent n'avoir jamais fait le mal, comment pourraient-ils revenir à Dieu? Parce que la Bible dit que nous sommes tous, par nature, des fils de la rébellion. C'est-à-dire que nous avons tous péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Mais quelle grâce et quel privilège de savoir que lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Ça, c'est le mystère de la rédemption. Par sa mort à la croix, le Christ nous réconcilie avec le Père. Et cet acte n'est pas un mythe, n'est pas seulement, n'appartient pas au passé, mais c'est une réalité. Si nous croyons sincèrement en Jésus-Christ, nous avons maintenant obtenu la réconciliation et nous sommes réellement réconciliés avec Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est le seul médiateur entre l'humanité et Dieu le Père. Il est impossible là je m'adresse à toutes les religions, à vous tous auditeurs qui me suivez. Une vérité qui va peut-être choquer certains, mais je me dois vous dire la vérité. Parce que je l'ai dit au début de l'émission, cette émission, la Bible parlons-en, a pour socle, a pour base Jésus-Christ. Je parlerai de la christologie, je développerai plusieurs sous-thèmes, la justification, la rédemption, le sang de Jésus, la croix, le mystère de la croix, etc. Mais Jésus-Christ reste le fondement même de cette émission. Il est quasiment impossible de dire qu'on a pour père Dieu si on n'a pas comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que c'est par le canal de Jésus-Christ que Dieu s'est réconcilié avec l'humanité. Le seul pont qui a été coupé, la communication qui a été coupée entre l'humanité et Dieu, a été réparée par la mort de Jésus-Christ à la croix. Le seul pont, le seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. La réconciliation avec Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, ne se fait que par le canal de Jésus-Christ.
Parce que Jésus-Christ, ce n'est autre que Dieu lui-même venu dans la chair humaine pour mourir pour l'humanité. Et refuser Jésus-Christ, c'est refuser Dieu et Jésus-Christ, c'est refuser Dieu et Jésus-Christ, c'est refuser Dieu. Le plan de la rédemption, le mystère de la rédemption, ne passe pas par aucun autre maître de ce monde, grand qu'il soit, renommé qu'il soit. Le salut ne vient pas par un autre nom, par un grand philosophe quelconque, Socrate, Platon, Plotin, Rousseau, quel maître? Seul Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix pour l'humanité. Donc la rédemption se fait par le canal de sa mort à la croix. Alors ça fait beaucoup d'informations peut-être pour les non habitués de la Bible, parce que je sais que je ne suis pas suivie que par les chrétiens. Il y a des musulmans qui nous suivent, donc je me dois aller tout doucement avec des termes très simples, pas compliqués, pour pouvoir faire asseoir certaines vérités très profondes. Je vais laisser la place aux questions, s'il y en a. La semaine prochaine, je parlerai du mystère de la croix. Combien nous devons refuser la malédiction? Nous devons refuser l'esclavage. Refuser la souffrance, refuser la maladie. Refuser le péché, parce qu'on a été rendu libre par Jésus-Christ. Être encore sous la malédiction. Être encore sous l'esclavage du péché, être encore sous la souffrance, c'est rendre nul l'œuvre que le Christ a fait à la croix. Pourtant, la Bible précise qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les autorités, les dominations par sa mort à la croix. Il les a rendus nuls et sans effet. Il a constaté donc la nullité de ce contrat, de cet acte qui nous plaçait sous l'emprise de Satan. L'acte a été rendu nul à la croix. Raison pour laquelle il est important pour juifs ou non-juifs, c'est-à-dire chrétiens ou pas chrétiens, de comprendre ces vérités que Jésus-Christ est venu donner sa vie en rançon pour l'humanité, pour les musulmans, pour les chrétiens, pour
les bouddhistes, pour les hindouistes, pour les nations, toute la terre, les Africains, les Européens, les Américains, sans exception. Et ce mystère s'étend justement sur toute race. Et cette réconciliation se fait que par le canal de l'acceptation de Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'attention que vous accordez à écouter ce message, cet enseignement. Je laisse place aux questions. Allô, maman Anicette. Allô. 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 Oui, bonsoir. Babacha, bonsoir. Ah oui, bonsoir, pardon, bonsoir. Maman Anicette. Voilà, je comment suis. Comment ça va? Oui, ça va bien. Et votre famille? Très bien, merci. Ok. On se retrouve encore, oui. Bon, voilà, moi j'ai une question qui me tient toujours à cœur. Bon, malheureusement, je suis un peu venu tard sur l'antenne. Ce qui me retient à cœur est que j'ai souvent vu, comme cela se trouve sur l'écran, la mort de Jésus. Oui. Et heureusement pour moi, la fois passée, comme je vous avais parlé, j'ai vu la cassette de Jésus. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort à la croix. Oui. Ce qui me semble un peu obscur, bon, en regardant, n'est-ce pas, la cassette vidéo, j'ai remarqué que ce sont les hommes eux-mêmes qui ont tué Jésus. Ils ont cloué, n'est-ce pas, ils ont cloué Jésus sur la croix. Alors c'est bon pour moi c'est un peu obscur de d'expliquer que voilà Jésus est mort sur cette croix n'est-ce pas pour hein, pour nous libérer hein, pour toute l'humanité alors que ce sont les hommes eux-mêmes qui ont tué Jésus mais il n'est pas mort comme ça c'est-à-dire lui-même il n'est pas mort ce n'est pas de sa propre mort comment est-ce que vous pouvez m'expliquer cela? Ça, c'est une très bonne question, Babacha. Que Dieu te bénisse pour cette question. Merci. Alors, le but exprès de la venue de Jésus-Christ ici-bas était de donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors, je te renvoie dans le livre de Matthieu 20, 28. Je ne sais pas si tu t'es procuré une Bible, tu as acheté une Bible ou pas, parce que la dernière fois tu me posais la question, quelle Bible, bon, tu t'es non, pas acheté la Bible, c'est pas grave. Je pense que prochainement vous allez me donner une Bible. Il y a pas de souci. La vraie. Ah bah. la vraie, ça n'existe pas, des fausses Bibles. De ta part. Alors, la venue du Christ sur la terre, c'était pour mourir. Que ça soit par lui-même, que ça soit par les humains, en tout cas, il est venu pour mourir. Il n'est pas venu pour autre chose, il est venu pour mourir. Il fallait qu'il rachète cette vie perdue par Adam. Je pense que même le Coran parle d'Adam et Ève. Adam avait perdu cette vie. Tu l'as raté au début, j'ai parlé d'Adam. Qui avait perdu cette vie parfaite, hein, ces chefs-d'œuvre, donc, créés par Dieu, aucune vie imparfaite humaine ne pouvait racheter la vie, perdue par Adam. Donc, il a fallu une vie parfaite. Christ avait une vie parfaite, sans péché. Et j'ai expliqué que Christ n'est autre que Dieu lui-même venu dans la chair humaine. Il est venu pour mourir, parce que le sang devait couler.
Parce que sans l'écoulement du sang, il n'y aurait pas eu de pardon. Parce que depuis l'ancien alliance, tu vas voir que à moindre péché, Dieu demandait au fait, il faut qu'il y ait le sang d'un animal pour pouvoir couvrir le péché. Et donc là, le Christ devait mourir pour l'humanité, pour couvrir au fait le péché. Donc il est venu pour mourir. Le seul moyen pour racheter cette vie, c'était la mort. Que ce soit par les hommes ou par lui-même, en tout cas, il est venu pour mourir. Alors, quand tu dis que tu conçois très mal le fait que Christ soit mort par les hommes et que ça soit au fait un moyen pour libérer l'humanité, enfin, en quoi tu... Bah, justement, c'est ça le mystère. C'est ça le mystère. Et la Bible dit qu'il a lui-même donné sa vie, parce que personne n'avait le pouvoir de lui arracher la vie. Il est venu se donner lui-même. Est-ce que tu comprends, Babacha? Oui, je vous suis quand même. C'est, voilà, c'est ça, donc il est venu. Ben, c'est ça justement le mystère. Personne n'avait le pouvoir de lui arracher sa vie. Est-ce que tu comprends? Il est venu lui-même se donner en sacrifice. Il est venu justement pour mourir, pour ça. Est-ce que maman Faiza a quelque chose à rajouter là-dessus? Elle n'est pas en ligne. Moi, est-ce que j'ai répondu à ta question ou voilà, je voudrais encore. Oui, je voudrais bien encore, n'est-ce pas, saisir ce mystère, parce que en suivant la cassette, j'ai bien vu que un ange était venu annoncer que, n'est-ce pas, Jésus doit mourir. Il a même indiqué où il doit mourir. Mais ce qui est un peu, bon, pour moi, bon, c'est bien vrai, il doit mourir, mais la manière dont il est mort, bon, j'ai vu que les hommes étaient contre lui. Et ce sont ces hommes-là qui ont pris Jésus, hein, avec des menaces, et ils l'ont mis sur la croix, et bon. Bon, ce mystère-là, est-ce qu'on peut l'expliquer que voilà, Satan était entré en ces hommes pour qu'ils fassent cette action de mettre Jésus sur la croix, ou bien c'est la manière dont Dieu avait prescrit, n'est-ce pas, la mort de Jésus d'être sur une croix. Voilà, c'est ce mystère-là que tout le monde se pose la question, mais comment est-ce qu'un prophète qui a tout le pouvoir, et que les hommes arrivent à le prendre comme ça et le mettre sur la croix, bon, sa mort était très, très, vraiment pitoyable. Donc, c'est ce mystère-là que qui nous manque pour mieux saisir, n'est-ce pas, l'histoire, la mort de Jésus, comme étant une mort qui devait libérer l'humanité tout entière. Voilà. Bon, la mort... Parce que tu sais, j'ai fini ma question parce que il y a certains qui cachent ce mystère-là. Oui. Derrière, on ne le comprend pas et il faut aller faire des études très profondes avant de comprendre ce mystère. Mais aujourd'hui, où la religion, tout le monde cherche à se convertir ou bien à mieux saisir les religions. Bon, je demande à tous les chrétiens de ne pas cacher ce mystère, ce qu'il y a dedans comme une vérité, de nous dévoiler, n'est-ce pas, cette vérité pour que nous saisissons bien, n'est-ce pas, cette histoire. Alors, est-ce que tu sais que dans l'ancienne alliance, la mort à la croix était une malédiction? Oui. Est-ce que tu sais, Babacha? Oui. Voilà. Parce que la Bible dit dans Lévitique, je vais rechercher le passage, dit que maudit soit celui qui est pendu au bois. Toute mort à la croix avait au fait les significations de malédiction. Alors, si Christ a été pendu au bois, bah justement, à la croix, il fallait qu'il le porte la malédiction, il fallait qu'il se fasse malédiction à la place de l'humanité.
Enfin, c'est un message que j'ai préparé pour la semaine prochaine, mais je fais l'introduction de ce message. La malédiction, la croix est signe de malédiction. Il a fallu qu'il soit pendu pour l'humanité. Enfin, la question que toi tu te poses, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas été mort, je sais pas, poignardé par exemple, ou non, mort par une arme. Ouais. Non, pour moi, sa mort devait être une mort naturelle comme tout le monde. Hein? On sait que qu'est-ce que t'appelles une mort naturelle? C'est-à-dire que il est parmi les hommes et on voit que voilà, et Jésus est mort comme ça, parce que c'est aussi un homme comme nous. Bon, la manière dont les autres hommes se sont chargés de lui, le menacer et faire tout. C'est ça qui fait que je ne comprends pas l'histoire et que aujourd'hui, s'il était mort d'une mort naturelle, il allait pas être humilié. Il a fallu qu'il soit humilié à la croix, il a fallu qu'il soit cloué à la croix, il a fallu qu'il porte toute infirmité, c'est-à-dire toute maladie. Il a fallu que le sang coule par l'enfoncement de ses clous là dans les mains et dans ses pieds. C'est tout un mystère que je vais développer la semaine prochaine. Il a fallu qu'il soit transpercé sur le côté, il fallait que l'eau et le sang coulent. Enfin, une mort naturelle, c'est quoi? Il a été malade et puis il est mort. Mais Dieu a mis en place cette mort à la croix pour qu'il soit justement, qu'il porte l'infirmité de toute l'humanité. Il a fallu qu'il soit humilié, il a fallu qu'il soit craché dessus, il a fallu qu'il soit cloué, il a fallu qu'il porte cette couronne d'épines. Dieu a mis ça en place. Tout cela a une signification. Tout cela a été planifié par Dieu. Et Jésus lui-même a donné sa vie à l'humanité, pour l'humanité. Mais personne n'avait le pouvoir de lui arracher sa vie. On se comprend ou pas? Oui, je vous comprends. Oui, je vous comprends. Une mort naturelle. Enfin, être poignardé puis mourir, enfin, n'a pas de souffrance comme cette mort explique bien la souffrance qu'il a endurée. Il a été flagellé quand même. Je ne sais pas si t'as déjà vu le film La Passion du Christ, la manière dont il a été flagellé, la manière dont le fouet arrachait sa peau, la manière dont il a subi toute cette souffrance. Eh ben, il a fallu qu'il passe par là pour pouvoir justement détruire cet acte qui nous condamnait. Sinon, l'humanité était condamnée à souffrir par toutes sortes de maladies. Ben justement, c'est ça le mystère de cette souffrance. Qu'il a porté cette souffrance pour l'humanité. Flagellé, cloué. Bon, si je comprends bien, l'humanité avait déjà commis des crimes, ou bien comment se fait-il que, bon, lui, il est mort pour libérer toute l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité avait déjà fait pour que Jésus vienne libérer cette humanité-là? Est-ce que on avait commis des crimes, ou bien on se faisait la guerre, ou bien comment? Alors, ça, je l'ai dit au début de mon émission, de la présentation de cette émission, que par la désobéissance d'Adam à l'ordre donné par Dieu, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout part de là. Oui. Tout part de là. Adam ne s'est pas rendu coupable lui seul, c'est l'humanité entière. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est l'humanité entière qui s'est rendue coupable par la désobéissance d'Adam. La mort est venue, la souffrance est venue. On a été criminel, oui. La désobéissance a fait de nous des pécheurs, des enfants rebelles,
des criminels, des coupables. Et je l'ai dit que par la mort du Christ à la croix, il nous a déclarés non coupables. Si je vous suis bien, donc à cause de, n'est-ce pas, de la mort, du crime, de ce péché originel, hein? C'est ça. Jésus est venu maintenant et il est mort pour nous libérer, c'est ça. N'est-ce pas, de ce péché. C'est ça. Bon, aujourd'hui, la question de savoir est que, bon, après la mort de Jésus, est-ce que pensez-vous que ce péché originel a été pardonné? Évidemment, sinon, oh oui, oh là là, sinon l'acte que Christ a fait à la croix est nul. Parce que le péché est entré dans le monde par le canal d'un seul homme, c'est-à-dire Adam. Oui. Et à combien plus forte raison le pardon peut venir par le canal du Christ, Babacha? Bien sûr que ce péché a été pardonné, à une condition de se réconcilier avec Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, que le Christ est le canal justement qui relie les enfants au Père, à leur Père, Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc c'est-à-dire que sans le Christ, bah, on n'a pas cette réconciliation-là, sans ce pardon-là. Il reste quand même l'élément fondamental du pardon. Bien sûr qu'il y a le pardon. Parce que si par un seul homme, le péché est venu et toute la nature a été souillée, toute l'humanité a été souillée, empoisonnée. Ah bah évidemment que par le Christ, toute l'humanité a été rachetée. Évidemment, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, sinon son acte à la croix serait nul. Ah oui, évidemment, bien sûr. Bon, j'explique aussi que dans le Coran, on nous parle aussi que voilà, Jésus est venu. Bon, mais le Coran l'explique que, voilà, il est venu pour sauver seulement le peuple d'Israël. Et à la fin, les gens se posent la question de savoir si, vraiment à cause de ce péché originel que Jésus est mort sur la croix, est-ce que la punition que l'humanité a méritée en mangeant, n'est-ce pas, ce fruit-là, c'est-à-dire que Ève a été punie, et puis Ève et Adam aussi, sortez du jardin, vous allez manger à partir d'aujourd'hui à la sueur de vos fronts. Et c'est la ça. Femme, elle subira, n'est-ce pas, des douleurs, etc. Mais nous remarquons que, n'est-ce pas, cette punition de Dieu demeure jusqu'à aujourd'hui, parce que les femmes subissent toujours, n'est-ce pas, des douleurs pour enfanter. Et que notre souffrance, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut manger toujours à la sueur de son front. Voilà ce qui me semble un peu paradoxal, hein, de mieux saisir, n'est-ce pas, la mort de Jésus sur la croix, qui devait, n'est-ce pas, libérer l'humanité tout entière, parce qu'au début, on était d'abord puni par, n'est-ce pas, Dieu, il était fâché parce qu'on a désobéi et il nous a punis. C'est tout comme un père de famille à la maison punit ses enfants. Je vous ai dit de faire ceci, vous n'avez pas voulu. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'argent de poche. Donc, si quelqu'un vient, n'est-ce pas pardonner, pour libérer, je pense que cette punition devait, n'est-ce pas, partir pour toujours. Mais nous remarquons que la punition de Dieu, elle demeure jusqu'à nos jours. Comment vous pouvez nous expliquer cette situation? Alors, Baba, il faut comprendre une chose. Que Dieu, au préalable, c'était pas ça. Dieu n'a pas puni, c'est pas un méchant Dieu, comme tu dis, il a puni l'humanité. Non. L'homme s'est puni en désobéissant à l'ordre établi par Dieu. Oui. D'accord? Oui. Je l'ai dit au début que Dieu avait fait une œuvre parfaite. D'accord? Dieu a créé Adam, il lui a donné quelque chose de très précieux, la vie humaine parfaite, c'est-à-dire un corps et un esprit parfait. Jamais il ne tombera malade, jamais il ne vieillira,
jamais ne mourra. Dieu fait toutes choses bon et parfait. Un chef-d'œuvre de la création conçu à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'accord? Bon, l'homme va désobéir. Dieu va lui dire, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Il va se laisser séduit par sa femme, qui a été séduit par le serpent. La semence a été empoisonnée. D'accord? C'était le canal par où est passée la mort. C'est pas Dieu qui a mis ça, c'est l'homme qui délibérément a péché contre Dieu et la mort est venue. Alors, il faut dire qu'il y avait déjà la présence de Satan sur la terre. D'accord? Alors, il faut comprendre qu'il y a une lutte, il y a une bataille, il y a un combat entre deux puissances. Satan, qui était Lucifer, qui était un ange, d'accord, au ciel, qui voulait être adoré par, comme Dieu, a été propulsé ici sur la terre. Donc, Dieu, en créant l'homme à sa ressemblance, selon son image, ça a créé une jalousie, déjà. Ça, c'est la base, déjà. Tu comprends? Ça a créé déjà une jalousie. Parce que Satan n'a pas été créé, et d'ailleurs, aucun ange, d'ailleurs, hein, parce que Satan, c'est un ange. Et je suis, aucun ange n'a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bon, déjà là, ça a créé déjà une jalousie. Donc, il a fallu que Satan vienne mentir à l'homme. Est-ce que Dieu a réellement dit que si tu manges, tu mourras? Non, c'est pas vrai. Si tu manges, au contraire, tu seras comme lui, tu serais des dieux. L'homme s'est laissé séduire. Et donc, le mal est entré. Bon, maintenant, Dieu va mettre en place ce plan du salut. Le Christ est venu pour sauver l'humanité. Mais est-ce que le diable n'est plus sur la terre? Mais si, Satan est toujours là. Il veut faire croire à l'humanité que regardez ce que la Bible dit, que Jésus-Christ est venu pour vous sauver. Ben, au fait, c'est pas vrai, parce que la misère existe toujours. Et ben, c'est pas vrai, au contraire, c'est un mensonge. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la misère sur la terre. Mais si, il y a toujours la misère sur la terre. La femme enfante toujours avec douleur. Mais cela ne veut pas dire que l'œuvre que le Christ a fait est nulle. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste un mensonge que Satan essaye de garder les enfants de Dieu captifs encore sous l'esclavage encore de la maladie, de la malédiction. Tu vois, c'est un combat, c'est une lutte. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. On a un ennemi qui déjà s'est rebellé au ciel, qui est venu sur la terre pour mener un combat à tous les enfants de Dieu. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, comme la Bible le dit. Est-ce que tu comprends, Babacha? Oui, je vous suis. Parce qu'il y a toujours la présence du mal sur la terre. Il y a toujours la présence de cet ennemi-là, Satan. Il y a la présence du mal sur la terre. Mais la Bible dit, il n'y a plus de condamnation, d'accord, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, je vais te raconter une histoire, je ne sais pas si c'est dans le Coran. Lorsque les enfants d'Israël voulaient être libérés, d'accord, de l'esclavage de Pharaon, Dieu avait dit à Moïse, tu vas prendre le sang. Et tu vas prendre ce sang-là, tu vas mettre sur les linteaux des portes, sur les poteaux. Je vais envoyer un ange destructeur. Partout où il y aura le sang, ils ne seront pas touchés. Israël ne sera pas touché. Mais partout où je ne verrai pas le sang,
eh ben, je serai touché. Partout où je ne verrai pas le sang, eh ben, ils seront touchés. Ben, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quand il y a le mal qui arrive et que le sang de Jésus est là, les enfants de Dieu ne sont pas touchés. Parce que Dieu, quand même, a conclu une alliance de paix avec son peuple. Dieu a conclu une alliance avec son peuple en disant que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il protège les enfants de Dieu de tout danger. Est-ce que tu comprends? Oui, je suis. Il faut maintenant être placé, sous la protection divine. Parce que de nous-mêmes, c'est clair, on ne peut pas se protéger contre tous les fléaux de la vie. Tout le filet de l'oiseleur qui nous attaque, on ne peut pas. Le mal est spirituel. Tu vois? C'est un combat qui est vrai. Parce que Satan est réel. Il essaye tout simplement de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. C'est un Dieu méchant qui a envoyé le mal, un Dieu méchant qui a mis en place le mal. Mais non, le diable est réel. Dieu aussi est réel. Et quand on n'est pas placé sous ce sang que je viens d'expliquer de Jésus-Christ, eh ben, on est à la portée du mal, hein. On est à la portée du mal. Alors j'essaie d'expliquer avec des mots simples, vraiment, le béaba, enfin, pour que tu puisses comprendre ces choses-là, oui. Oui. Ah d'accord. Je vais répondre ça sur Facebook, hein, je pense. D'accord. Bonsoir ma sœur Nedi. Merci pour ce commentaire. Que Dieu te bénisse. Alors Babacha, y a-t-il une autre question? Non, merci Lisette. Oui, merci, merci. Je vous ai bien suivi. Merci de tous ces renseignements et à moi de, n'est-ce pas, de revoir et de comprendre, d'essayer de revoir maintenant la rediffusion pour mieux saisir parce que c'est tout à fait un peu, c'est clair comme si c'est un peu aussi flou. Il faut être bien placé et de réécouter encore la rediffusion pour mieux saisir. Je te remercie quand même de m'éclaircir un peu. Et je remercie, n'est-ce pas, Maman Feza aussi et tous ceux qui ont participé à l'émission aussi. Merci. Babacha, n'oublie pas de lire la Bible. La Bible t'explique ces choses. Parce que dans l'émission, la Bible parlons-en, c'est vrai qu'on survole, hein. Hein, on survole. Oui. Mais pour bien comprendre et assimiler des choses, c'est important pour toi, il est important que tu lises la Bible. Il faut que je fasse un effort alors, hein, que je, oui. Je t'offre une Bible alors, que je t'achète une Bible. D'accord, merci. Un cadeau pour 2014. Merci, 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 Nicette. Ce serait très intéressant. En tout cas, je voudrais te remercier, que Dieu te bénisse. Alors, y a-t-il d'autres questions en ligne avant que je coupe, hein. Avant que je rende le micro. Ce qui est notre émission. Moi, je crois qu'il n'y a pas assez de questions. Je pense que pour le moment, non. Surtout que tu as vraiment pris une longue pause. Bientôt aussi, il y aura le pasteur Jean-Louis Atanasé qui va entrer à 22h. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions, master. Si tu peux simplement donner ton mot de la fin. Merci à tous les auditeurs. Merci. Chigi. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à la même heure, 20h30. Très bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci, merci, merci. Alors, merci chers auditeurs, auditrices de Am Africa. Merci à vous tous qui avez écouté
l'enseignante, c'est une enseignante, hein, ne voyez pas parce qu'elle est jeune, mais c'est une enseignante, c'est une théologienne. Nicette Fonza, que Dieu vous bénisse vraiment pour avoir béni l'espace en Africa de ce bel enseignement. Je signale à tous les auditeurs et auditrices de la radio, s'il vous plaît, il y a encore un petit problème technique, c'est-à-dire que si vous voyez l'écran, c'est-à-dire s'afficher tout blanc, ne vous paniquez pas, juste réactualisez la page et vous allez voir que tout a démarré, parce que là, on va stopper pour essayer, tâcher de sauver la vidéo de Nicette Fonza. Mais en attendant, s'il vous plaît, ne vous paniquez pas. Nous allons remettre encore la chanson Alice, Ali, Jésus, mon modèle. Thank you.